qui vous plaît dans cette musique? C'est plutôt rare de voir des gens qui aiment le garage à Paris. Ce qu'on adore, c'est le mélange des machines et des voix. Le chaud-froid, quoi. Ah, c'est bien résumé. On sent les DJ en devenir, là, non? On y pense, on va peut-être créer un duo. Alors, c'est vous le petit duo de garage dont tout le monde parle? Bon, bah, je suis ravi de vous rencontrer, hein. C'est Daft Punk? Putain, les salauds, ça sonne, hein. Je suis vraiment déçu, je pensais que vous seriez déguisé en punk. Trop facile, trop facile. T'es folle, tu comprends rien, c'est génial. C'est de la disco moderne. Il faut absolument que t'arrêtes tes conneries, que tu te consacres à tes études maintenant. Hey, Julia. Hey, it's me, it's Paul. Naked for me? That's so cute. Tu t'es fait une poutresse, quoi. Vous la retrouverez aussi tous les dimanches sur Radio LG de 18h à 20h pour leur émission Top 3 des meilleurs morceaux. Le dragueur le plus lourd de la soirée. Non, ça va. Eh bien, ils ont 20 ans à peine. Depuis plusieurs années déjà, ils nous font découvrir le son garage new-yorkais à la sauce parisienne. Nice to see you. Putain, avec vos histoires, j'ai attrapé la crève, là. Contrairement à ce que vous pensez, je me drogue très peu, moi. Peut-être que maintenant, il faudrait vous ouvrir un peu sur des choses un peu plus modernes. Vous, vous bougez pas, mais les gens, eux, ils changent. C'est mon bateau, lâchez-moi. C'est beau, la jeunesse. J'ai 34 ans. Vous pourriez me prêter 2000 francs? J'ai un gros découvert. Quoi, 2000 balles? Je comprends pas comment tu te démerdes avec toutes les teufs. En ce moment, je passe d'un petit boulot à l'autre. C'est plutôt alimentaire. Sinon, j'ai pas mal travaillé dans la musique. Comme musicien? Non, comme DJ.